Drunk slice the beat, sing us how they keep throats. Stamping the feet, quiet and cur up the bow. À la Cigale pour défendre son nouvel album Médée, sorti le 16 mars dernier. Comment s'est passée la collaboration avec Marie? J'ai pensé que j'allais sûrement repartir dans le même thème et du coup j'avais peur de refaire le même disque. Donc je me disais, si je demandais le texte à quelqu'un d'autre, peut-être du coup ça pourrait être une manière de, comment dire, de m'échapper à moi-même. Parce qu'elle avait enregistré son premier album à Berlin, où j'habitais à l'époque, et du coup je me souviens très bien, un jour j'avais reçu un coup de fil d'un copain américain qui faisait le casting pour la science des musiciens. Du coup il m'a dit, oui, je travaille sur le disque d'une française qui écrit comme Emily Dickinson. Et je me suis dit, ah bon? Et le choix de demander à Marie, c'était assez logique. C'est un titre à double sens. Non, donc c'est bien Mayday en deux mots, comme le 1er mai, pas à confondre avec Mayday en un mot, qui est comme au secours, qui d'ailleurs qui vient de français, Mayday. Mm-hmm. J'ai cru comprendre, j'ai lu ça quelque part, donc, ah, c'est marrant, je savais pas. Collaborer avec des artistes comme Bertrand Burgala, Alain Chamfort, Lio, Vincent Delerme. C'est pas trop compliqué maintenant de travailler avec Peter Van Paul? La seule méthode qui marche vraiment, c'est le temps. Et sinon, je suis incapable comment dire, je travaille très très vite. Je veux savoir, les mix durent jamais plus que, je sais pas, jamais plus qu'une heure. Mais du coup, par contre, je refais 150 fois. Et du coup, ça, de savoir où s'arrêter, qu'est-ce qui est la bonne version. Par exemple, une chanson comme Mayday, j'ai enregistré 3 versions sur le disque. Et c'était un cauchemar chaque fois, vraiment de zéro. Et finalement, c'est la toute première version qui est sur le disque, parce que c'était objectivement ce qui était le mieux. Le morceau par les mains, et qui disait que tu avais peut-être une approche qui était comparée à une approche de vocale à la Phil Collins. Est-ce que pour toi c'est un compliment ou est-ce que ça te dérange un peu? Moi je crois que c'est, globalement je suis en sorte de, déjà j'ai pas beaucoup de disques, ceux que j'ai je les écoute en vinyle, j'ai jamais été un grand consommateur de musique, je me rends compte que je connais assez mal l'histoire de la musique. Mais en même temps, je connais assez pour me dire que j'ai aucune prétention de faire quoi que ce soit nouveau, et du coup, tout, on peut piquer où on veut, partout. Du coup, tout est assez. Je vole un peu partout, et si du coup il y a un peu de Phil Collins dedans, je crois que c'est ce qui va être bien.
Tu utilises un micro KMS 105 oui. chez Sennheiser. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'utiliser ce matériel? C'est... Je trouve que... Avant de connaître quoi que ce soit, du coup, j'utilise plutôt des 58. Et c'est vrai que ça, je ne veux pas faire un pub anti-show, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée, quand on écoute des trucs live ou des enregistrements même des émissions de télévision, à un moment donné, il n'y avait que des 58 partout. Et le son était et pour moi, c'était moi, et du coup, je ne sais pas si c'est à cause des groupes qui, quand on regarde All Grey Whistle Test, c'est avant, je ne sais pas qu'est-ce que tu disais comme micro, mais ça sent super bien. À partir d'une certaine année, ça avait changé le parc micro. Il y avait des 58 partout et du coup, le son n'était pas possible. Je crois que c'est, mon goût est plus comme le KMS 105.